Sur YouTube, il y a encore une vidéo qui présente comment télécharger des templates ou bien où trouver des templates libres de droit pour n'importe quel logiciel de montage vidéo. Je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo pour montrer à des gens qui galèrent de trouver des templates, parce que moi-même j'en ai galéré. J'ai trouvé un site sur lequel vous pouvez télécharger gratuitement des templates. Sans plus tarder, allez dans votre barre de recherche, ou bien dans Google, ou bien dans Chrome, ce que vous utilisez, et vous tapez miskit.com. Miskit.com, c'est pas uniquement des templates qu'ils proposent, mais ils proposent des audios, des vidéos libres de droit, des effets sonores, des bruitages. Donc, mais nous, on va s'intéresser à templates. Donc, il suffit de regarder en haut. Il y a vidéo, il y a audio, il y a effets sonores, il y a template. Vous cliquez sur template, il va proposer quatre différents types de logiciels. Il y a Premiere Pro, il y a After Effects, il y a Final Cut Pro et il y a DaVinci Resolve. Donc, c'est en fonction de dans quel logiciel vous voulez utiliser le template. Nous, on va l'utiliser dans Premiere Pro. Vous cliquez sur Premiere Pro et là, vous trouverez des vidéos de libre de droit, des templates en fait. Donc, quand vous mettez le curseur sur la vidéo, il va jouer et il va vous jouer en fait la vidéo. Comment le template, en fait, vous verrez le template dans votre logiciel. Donc, si ça vous plaît, vous cliquez sur la vidéo et automatiquement, vous cliquez sur Download Free Template. Ce qui veut dire télécharger gratuitement le template. Vous cliquez sur ce point et là, vous attendez un peu, vous espérez un peu pendant une minute et ça lance le téléchargement. C'est pas uniquement ça, vous pouvez trouver des templates dédiés uniquement pour Instagram. Si par exemple vous montez des vidéos pour des clients qui vendent des produits et qui publient leurs vidéos ou bien leurs articles sur Instagram et TikTok, vous pouvez trouver aussi des templates dédiés uniquement pour YouTube. Si vous voulez à la fin de votre vidéo faire le call to action, amener des gens à s'abonner à votre chaîne, il suffit de mettre en fait des emojis animés ou bien des vidéos, des templates de s'abonner vous à la fin de la vidéo. Vous cliquez ici, vous cliquez sur la vidéo, vous téléchargez et vous importez ça dans votre Premiere Pro, vous mettez automatiquement et ça anime. Donc, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo. Si ça vous a plu, likez. Si vous voulez continuer avec moi, ou bien parce que j'aurai à publier d'autres vidéos chaque semaine, si vous voulez apprendre, parce que moi aussi j'apprends. Donc quand j'apprends, je veux partager avec vous. Donc si vous voulez aussi apprendre, qu'on apprenne ensemble, pardon, s'abonnez-vous et on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao, merci.